Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo sur Until Dawn, la partie... J'en sais rien. Oui, j'en sais rien, je sais pas trop laquelle partie. Enfin du coup, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Bah on était avec Chris au sanatorium. Voilà. Et puis... Oh, attends, les mises à jour. Selon le télégramme, les propriétaires essayaient de couvrir cet incident. Du coup, on était au sanatorium avec Chris... J'ai dit Chris? Non, Mike. Mike. Je sais plus si j'ai dit Chris. Et du coup... Voilà. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, on est avec Matt. Bon, allez, c'est parti, hein. On est avec Matt. Nous avons le méchant monsieur qui est juste là. Qui ouvre. Ah non, qui ferme la porte. C'est fermé! Putain, qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir. Moi, je sais pas vous, mais j'aime bien Matt. Franchement. Enfin, je préfère Emily, hein, mais. À croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, et s'ils avaient tort? Quoi? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Y a pas un totem dans le coin ici? Il y a un totem ici, je crois. Attendez. Peut-être là. Non. Ici non plus. Ah! Je t'ai vu là, petit truc brillant là. Je crois que je t'ai pas vu. Je t'ai vu. Ah non, c'est pas La le peinture totem. est encore fraîche. On dirait pas de la peinture, on a de la sauce tomate. C'est carrément de la sauce tomate, c'est pas de la peinture ce truc. Mais il est où le totem? Ah! J'ai trouvé. C'est celui-là, je crois. J'allais dire, tu le bien. Génial! Bon, voilà. Intéressant ce petit totem de mort. On voit Matt se faire éclater par une pierre. Non mais fonce pas dedans aussi. Allez, c'est parti. Regarde. Une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. Bon, ça aurait été un flingue, tu te sentirais aussi mieux. Hache. L'homme mystérieux. Une hache est enfoncée dans la porte de la station du téléphérique. Elle n'était pas là avant, c'est sûr. Bah, oui, on l'aurait vu sinon. Oh, mais quoi? C'est fermé, Matt! Casse la porte, tu veux? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Pas là, non. Si. Regarde. Quoi? Une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux! Tu passeras jamais par là, mon grand. Allez, tu vas passer, je te le dis tout de suite. Je passerai pas. Mais toi si. T'es malade? Tu veux me faire passer par ce tout petit trou? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus cirés que ça, M. Ah, oh, pardon? C'est un talent. Bien, allons-y. Juste là, M. Mais j'y vois rien du tout! C'est un tel merdier là-dedans que je me cogne partout! D'accord! Tu trouves la poignée? Quelque chose? Oh mal! Il y a des araignées en plus! Et fais attention! Ouais, bah c'est dur de faire attention quand il fait nuit noire à potage! J'essaie juste de t'aider là!
Allez, non? Enfin. Ça y est. Bon boulot, M. T'es génial. T'es pas mal non plus. On l'a fait. On l'a fait. Tu sais quoi? Je te mets 20 sur 20. Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Bah, c'est... Enfin, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Tout a été complètement bousillé. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. C'est charmant. C'est flippant. Voilà. Quelqu'un voulait vraiment à cette pièce. Quel bordel! Déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant. Mais regarde! Une tour de guet. Peut-être que cette vieille tour aura, je sais pas moi, une radio, un téléphone, quelque chose. Peut-être. C'est pas comme si on avait d'autres choix. Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Ouais, il nous la faut. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Waouh, Matt, trop fort, une radio. Ah bon. Pourquoi t'es aussi chiante? Écoute, c'est du sérieux, cette histoire. Matt, doucement. C'est genre les statues. Il l'aime un peu moins, Emily, tiens. C'est vrai qu'elle est un peu chiante quand même. Ça l'a déjà vu du coup. Bon, allez. C'est parti! Attends! Quoi ce bruit qu'elle fait là? Je nous sors d'ici, monsieur l'intello. D'accord. Bon, bonjour, Matt. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. Peut bouger sa tête. Bon, allez, on y va. Allez. Carré, carré. Ça va? Ouais. Tiens, tu peux peut-être passer devant pour me protéger. Ok. Ok, tout doucement. Ok, c'est bon. Ok, presque. Presque. Je me sens pas super bien. Regarde pas en bas. Ok. Ok. Voilà, on a réussi. Putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Putain de bordel de merde.
Bon. Ah tiens, regardez un petit totem de conseil. Il est jaune. Ouais. Du coup, là, va falloir donner un flingue à Matt. Enfin, que Emily donne un flingue à Matt. On s'en rappellera. Et si ça marchait pas? Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais si ça marche pas, il faut un plan. Peut-être. On peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et ben ça change rien. On n'y voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir? Non. Mais on devrait peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Mais on va pas se cacher dans le chalet. C'est là qu'on s'attend à nous trouver. Bah oui. Faut se cacher du coup autre part. C'est un endroit où il ne sera jamais. Bon. Attends, 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 attends. Je croyais des trucs là-bas, hein. Regardez, j'ai bien fait de venir. Regardez. C'était l'endroit où il y avait. Ouais, regardez, putain, le téléphone il a pris froid, hein. Wow, c'est le portable de Bess. Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. Ouais, je suis plus fort qu'un policier, tu te rends compte, M. On va aller tout là-bas? Non, bon. Allez, on y va. Attends, juste pour voir. Bess ne se déplaçait jamais sans son téléphone portable. Elle a dû passer par ici la nuit de la disparition. Il y a un totem ici encore. Oui, effectivement. Totem de chance, ouais. Regarde bien où tu marches, Emily. Ouais, Matt. Si tu me demandes, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. C'est l'endroit où sont mortes Bess et Anna. Merde, c'est quoi ça? Ok, donc nous sommes avec Sam. Ah, tiens, regardez. Putain. Ah, c'est creepy. Ok.
pas sympa du tout. Chris ? Josh ? C'est quoi ça ? Alors on fait du bruit, hein. Cette connerie d'horloge. Connasse. Tu devrais pas exister. Chris ? Mike ? Emily ? Ça commence vraiment à devenir nul, là, d'accord ? C'était très drôle, de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok ? C'est bon pour vous ? Ah, oui. Ici. Oh merde, putain, m'attendais pas qu'elle s'allume, je m'en rappelais plus. Mais je me rappelle par contre qu'il y avait un truc sur la télé. Vous avez vu ? Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette ? Bah oui, c'est ça en fait. Et ben, ce sera la serviette. Voilà, exactement. T'as tout compris. C'est bien. Ok, si vous essayez de me faire flipper, eh ben, c'est réussi. Bon. Mais vous êtes où, putain ? Wow. Hey, merde quoi, c'est fini, d'accord ? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons. Salut, Samantha. Samantha. Tu me cherchais ? Bah, je cherchais surtout les autres. Que tu réussisses à me trouver, Samantha. Quoi ça ? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe là ? Ouvre les yeux. Aïe. Oh, vache. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas ? Un joli petit oiseau. Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend ? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature ? Pourquoi vous me montrez tout ça ? Pourquoi regardes-tu ? Josh ! Quel effet sur tes frères ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais te donner 10 secondes. 9, 8, 7, 7. J'avais dit 10 secondes là, tu te fous le bagage, j'espère. Eh oh, tu te prends pour qui là ? Allez. Voilà, ferme ta gueule. Attends, mise à jour les statuts. Ah, plus courageuse. Bon. Se cacher, se cacher, se cacher, se cacher, se cacher, se cacher, se cacher. Éteins la lampe aussi. Voilà, merci. Non, courir. Il va nous attraper, sinon on se reste immobile. C'est la meilleure solution de courir. Se cacher, ça servira à rien. C'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas de poignée ! Ah, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là ! Heureusement qu'il prend tout son temps. Il nous aurait déjà attrapé de temps, je pense quand même.
T'en as eu de la chance, ma pauvre. Vas-y. Eh ben dis donc, ça craint ici, hein. Non, 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 faut se cacher cette fois-là. Faut pas bouger. Bon. Fais papillon, attends. La nature est restée calme, ouais. Sam, saine et sauve, est parvenu à se cacher. Oh, on l'entend respirer, hein. Je pense qu'il aurait quand même entendu respirer. Putain! Ah, il est pas content. Putain! Kourou, cache-toi. Sam a pris toutes les bonnes décisions durant la poursuite. Ouais. Là, je suis fort, je le dis, hein. Je me suis pas fait attraper. Et c'est tant mieux. Encore avec lui, on. Comme prévu, j'ai l'impression. Je me trompe. Planifier cette partie avec autant de soin pour se voir contrecarré par ses propres insuffisances au moment décisif. Je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante de la solitude. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine ? T'as un énorme masque très 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 étrange. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Je sais même plus c'est laquelle partie. Enfin ouais, que je regarde, hein. Mais du coup bon, c'est la fin. On se retrouve la prochaine fois les amis. À plus.